Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie de votre fidélité. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt au contenu de mes vidéos. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc juste ce qui vibre avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées et cela viendra plus tard, à moins que vraiment ça ne vous corresponde pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Il est bien sûr naturel que si vous prenez une guidance personnalisée, les prévisions, les prédictions seront bien sûr plus en corrélation, plus précises avec votre vécu, avec ce que vous avez traversé, ce que vous aurez à traverser. Donc voilà, ça sera vraiment beaucoup plus précis à votre situation. Quoi d'autre? Ben non, on y va. Donc, c'est parti pour vous, amis lions. Dans un premier temps, j'ai deux cartes du Tao qui donnent l'état d'esprit général que vous aurez sur ce mois d'avril, ou bien le fil conducteur hein, de l'ambiance générale et le fil conducteur du mois. Donc, vous avez le pouvoir d'approvisionnement du petit et vous avez l'enthousiasme. Voilà. Alors, ici, ce sont deux très belles cartes hein, avec des coloris qui s'harmonisent bien l'une avec l'autre. On est bien dans les couleurs du printemps ici. Donc, vous êtes optimiste et enthousiaste à l'idée de monter un projet, d'échafauder un plan pour une construction à venir. On parle de travail de minutie, on parle d'une avancée régulière, alors pas ultra rapide, hein, une avancée lente mais progressive dans vos activités. Et ça vous met en joie parce que vous voyez qu'il y a quand même, comment dire, une suite, hein, comme une suite dans les idées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avancez, que vous avez une retombée favorable dans votre avancée, eh bien, ça vous conforte dans le fait de vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Il y a comme des premiers prémices d'une réussite également. C'est-à-dire que vous échafaudez un projet ou un plan de manière cyclique, organisé, c'est-à-dire étalé dans le temps, mais vous voyez une réussite à chaque étape. Vous voyez une progression à chaque étape. Les choses se déroulent de manière fluide et vous conforte dans le fait que vous êtes dans la bonne direction, que vous avez bien anticipé votre travail et que vous êtes comment vous êtes bien épaulé aussi, hein, bien guidé par votre mental, mais également par votre sensibilité, votre sensitivité. Enfin bon, voilà, les choses se déroulent de manière très progressive. Et avec un peu comme il y avait comme s'il y avait une note favorable à chaque fin d'étape. Vous êtes donc inspiré, vous êtes aussi une source d'inspiration pour les autres. Vous préparez les choses avec minutie, avec ingéniosité. Si vous rencontrez des problèmes, ce sont des problèmes mineurs qui ne vous empêchent pas de continuer à progresser et avancer. Voilà, donc oui, ça parle de succès, d'une route parsemée, pardon, de succès.
avec la confiance en vous, qui vous donne confiance en vous. Il y a l'idée aussi d'obtenir plusieurs réponses positives sur ce mois d'avril. Vous vous adaptez facilement et on vous intègre facilement également. Bien, nous allons voir comment ça se retrouve sur les différents secteurs qu'on va ouvrir maintenant. Ami Lion et ascendant Lion, on va regarder le domaine sentimental pour vous, sentimental, relationnel et affectif. Alors là, on a un feu rouge, on a le cœur, l'amour, bien sûr, et on a les projets. Alors, plusieurs cas de figure ici pour vous. Soit la fin d'une relation, d'un amour, vous oblige à stopper des projets, ou bien vous devez attendre la fin d'une relation pour pouvoir reprendre vos projets, en tout cas envisager des projets différents. Oui, vous devez attendre la fin de quelque chose. Alors, soit la fin d'un amour, soit la fin de quelque chose pour pouvoir entamer de nouveaux projets dans le domaine relationnel et affectif. Pour certains, il peut y avoir le retour d'un amour également, d'un amour passé, une réconciliation avec quelqu'un du passé. Pour d'autres, vous dites stop à quelque chose, vous arrêtez quelque chose, vous dites stop à quelque chose pour pouvoir vous engager totalement dans votre relation de cœur. Et vous diriger vers de nouveaux projets. Par exemple, vous décidez de mettre fin à, je ne sais pas, peut-être trop de sorties amicales pour pouvoir vous lancer complètement dans un projet sentimental, un projet à deux. Qui va demander toute votre présence. Bon, il y a l'idée de dire non à quelque chose, hein. Ça peut être aussi de boucler un dossier, par exemple, au niveau du travail, de boucler une tâche importante au niveau du travail pour pouvoir ensuite vous diriger vers ces nouveaux projets qui vont demander tout votre investissement. Ça peut être également, par exemple, un crédit qui était en cours, qui se termine et qui vous permet d'emménager à deux, par exemple. OK. Donc l'idée principale, c'est la fin de quelque chose ou de dire stop à quelque chose pour pouvoir entamer de nouveaux projets dans le domaine affectif, relationnel, peut-être devoir vous engager dans une autre relation. Terminer une relation pour vous engager vers une autre relation. Probablement pour certains, de retour d'un ex ou de réconciliation avec quelqu'un du passé. De nouveaux projets, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est voir s'il y a un retour, par exemple, d'une tierce personne. C'est d'avoir mûri peut-être dans ce laps de temps d'absence, d'avoir mûri et d'être prêt à vous engager sur quelque chose que vous n'auriez pas voulu faire, que vous ne souhaitiez pas faire auparavant. Et donc vous avez changé d'état d'esprit et vous êtes prêt maintenant à vous engager. Parce que cette carte d'amour au centre quand même, c'est, on parle de sincérité, d'un amour sans hésitation, voilà, sans hésitation. Ouais, il y a l'idée de voir les choses différemment, d'arrêter quelque chose qui n'est pas, soit qui ne vous maintient pas. Avec cette carte d'arrêt, vous stoppez quelque chose qui
qui vous empêche d'être vous-même ou qui vous empêche d'être totalement intègre ou totalement sincère, totalement entier. Ok, on continue avec le domaine matériel et concret. Ce domaine est plus en lien avec la matière, donc tout ce qui est le travail, les activités, le domaine financier, le domaine matériel, les concrétisations, hein. Donc, on a ici les escaliers, l'ange gardien et la bienveillance. Cette carte de bienveillance est tombée au même endroit pour les poissons. Donc, si vous êtes ascendant poisson ou poisson ascendant lion, je vous invite à regarder votre ascendant. Donc, dans la concrétisation, alors ici, je pense que vous êtes dans la progression, vous êtes dans l'évolution. J'en avais parlé ici d'une progression lente, mais en tout cas pas lente, mais cyclique, mais dans tous les cas, toujours en évolution. On dit qu'ici, vous êtes votre progression ou l'avancée de vos projets. Les choses avancent, ne sont pas stagnantes, ne sont pas bloquées et elles sont protégées. Vos actions sont protégées sur ce mois d'avril à Million. Vous êtes guidé. On avait déjà le guide sur les cartes du Tao et vous avancez en conscience et en confiance que ce soit une progression professionnelle, que ce soit dans quelque chose, un plan que vous êtes en train de faire grandir, de faire avancer. Je pense que vous avez déjà bien entamé cette action, vos actions, et que vous n'êtes pas loin d'atteindre le but hein, fixé. Dans tous les cas, on vous dit que vous serez peut-être comment accaparé par un autre domaine de vie. Alors c'est peut-être ce stop que vous avez à mettre quelque part dans le domaine affectif ou relationnel, et que quand vous aurez fini, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une pause sur dans le domaine matériel, tant que vous n'aurez pas réglé votre domaine relationnel et affectif. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que vous avez ter à terminer quelque chose avant de pouvoir continuer la progression de vos projets. Donc ça revient sur cette deuxième ligne. On dit que vous êtes soutenu de manière cachée, je pense, de manière secrète, de manière discrète, ou qu'il s'agit d'un projet secret. Dans tous les cas, voilà, vous protégez vos arrières, vous avez bien comment réfléchi à poser des limites, à poser des cadres, à poser des barrières justement pour être totalement protégé dans cette avancée, dans cette progression. Voilà, donc oui, vous êtes bien, non seulement vous êtes bien entouré de personnes autour de vous pour vous soutenir, vous aiguiller, vous guider dans cette progression. Mais vous êtes également bien insufflé au niveau subtil, c'est-à-dire par vos anges ou vos guides qui vous donnent, qui vous impulsent la bonne intuition pour vous envoyer dans la bonne direction et pour vous envoyer vers les bonnes personnes aussi. Vous vous élevez. Pour certains, c'est comme si je voyais un déménagement, alors probablement dans un immeuble, parce que je vois un niveau supérieur. À moins que des personnes qui peuvent vous soutenir et vous aider habitent à un palier supérieur au vôtre. C'est possible aussi. Ok, on continue avec le domaine immatériel. Donc pour le domaine immatériel, j'entends la spiritualité, j'entends votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, votre état psychologique. Donc tout ce qui est immatériel, hein, pour le coup.
Donc on y va. Nous avons le conditionnement ici, la conscience et l'isolation. Cette carte aussi, ces deux cartes-là étaient également pour les poissons. Oui, alors au niveau immatériel ici, il y a l'idée, encore une fois, hein, de devoir, de vous sentir dans l'obligation de clôturer une situation qui vous maintient sous une forme d'emprise. Pour y voir plus clair, donc vous cherchez les moyens d'y voir plus clair, de comprendre cette situation, de comprendre comment sortir de l'emprise. Il y a peut-être une remise en question aussi sur le fait de est-ce que vous n'êtes pas trop autoritaire? Est-ce que vous ne cherchez pas à imposer trop votre point de vue? Alors dans ce cas, l'isolation ici peut être une sorte de regret de comprendre par le regret que vous avez peut-être abusé d'une situation. Pour d'autres, c'est de comprendre que vous avez été maintenu dans une situation vous avez été sous emprise, vous comprenez cette situation et vous savez qu'il faut y mettre fin. Parce que toute relation dominant-dominée n'est pas équilibrée, n'est pas saine. Donc que ce soit professionnel, hein, par rapport à la hiérarchie, par rapport à un collègue qui cherche à vous écraser, que ce soit dans la famille où quelqu'un est autoritaire ou que vous cherchiez vous à diriger avec un peu trop de véhémence, voilà, il y a l'idée de comprendre, de savoir qu'il faut rétablir un équilibre ici dans une notion d'emprise. Il y a une prise de conscience ici, effectivement, hein, donc comme une clarté qui se fait dans cette situation. Il y a des regrets, mais il y a quand même le fait de devoir agir, de devoir faire cesser une situation qui vous affaiblit ou dans laquelle vous affaiblissez quelqu'un. Vous en prenez conscience parce qu'il y a quand même cette notion de tristesse ici. Ouais, quelque part, il y a comme un sentiment d'être puni ou de se sentir coupable. Donc vous vous sentez puni si vous êtes sous emprise et vous vous sentez coupable si vous comprenez que vous avez été trop autoritaire, trop décisif. Trop intro, intro. Non, je vais pas le dire. J'arrive pas à le trouver. Ok. Ouais, vous pouvez avoir du mal à entendre certaines choses qui vous sont dites. Sur votre caractère, sur votre manière de faire. Vous avez du mal à entendre certaines choses, mais vous reconnaissez aussi certaines choses. Ok, on va le voir dans l'autre sens. Donc on a le stop, l'arrêt, les escaliers, le conditionnement. Alors ça, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir un frein. Enfin, c'est pas un frein. C'est-à-dire, c'est une pause que que vous devez faire sur ce mois pour régler cette situation, pour mettre un frein à une situation. Il y a une idée d'obligation quand même, hein, ici avec le conditionnement, c'est on vous impose, ou la vie vous impose, de régler quelque chose avant de reprendre une progression. Hein. Et ça peut être même, si vous décidez de ne pas voir ce qu'il y a à régler, il peut y avoir un frein. Là, pour le coup, de la vie ou de l'univers qui vient vous stopper de force. Hein. Parce que le feu rouge, ici, c'est vraiment quelque chose qui est à l'arrêt. Et cette carte du conditionnement représente le diable dans le tarot. Le diable qui vient vous dire
ben là, qui impose, justement. Hein, il impose son point de vue, il impose l'obligation de. Donc pour certains, ça peut être la fin d'un contrat de travail. Hein. Aussi, voilà. Ça peut être la fin d'un contrat de travail qui est imposé, qui vous est imposé parce que vous vous sentez écrasé par la hiérarchie. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le souhaitez, votre travail n'est pas reconnu, quelque chose comme ça, où vous vous sentez justement du coup restreint dans votre mouvement, dans votre travail, dans vos tâches, et vous décidez d'y mettre fin. Mais c'est une fin pour une libération, hein. On voit bien que cette ligne, elle est compliquée, mais qu'après, dans tous les cas, ça vous amène une ouverture. Donc, et les premières cartes ici, on parle bien du travail aussi, mais on voit bien que c'est quelque chose qui progresse, vous avancez. C'est-à-dire que même si vous mettez un frein, vous avancez, ou bien vous devez mettre un frein pour pouvoir avancer. Ici, on a donc l'amour, l'ange gardien et la conscience. Alors ici, donc il y a effectivement donc une prise de conscience dans le domaine émotionnel, dans le domaine sentimental. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose pour protéger votre domaine affectif. Il y a aussi une idée d'être reconnu ici. J'ai dit que vous étiez aussi accompagné par quelqu'un dans l'ombre qui vous soutient, qui vous permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses aussi, sur certaines phases de votre relation, sur votre façon de vivre votre relation. Une idée d'être plus ouvert dans la relation aussi, d'être plus communicant, de se livrer, voilà, de se livrer au niveau du cœur, hein, de se livrer, donc ça peut être dans le domaine amical, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, oui, c'est ça, de s'ouvrir, de dire les choses à cœur ouvert. Ok, et il y a aussi donc cette notion d'être soutenu dans l'ombre ou par quelqu'un de l'ombre, de manière secrète, de manière discrète. Et ce soutien vous permet de mieux comprendre une situation. Alors ici, on a les projets, la bienveillance et l'isolation. Alors, il y a l'enthousiasme d'aller vers de nouveaux projets, et puis il y a quand même certains regrets de ne pas avoir abouti d'autres projets que vous souhaitiez mettre en place. Mais vous trouvez le réconfort nécessaire quand même pour avoir assez de punch, d'envie, de désir pour avancer vers de nouveaux projets. Ça veut dire ici que vous ne vous laissez pas abattre. Même si vous prenez en considération certains échecs, certaines choses qui n'ont pas abouti, certaines prises de conscience, eh bien, vous accusez comment, l'information, hein, vous acceptez l'information, vous traitez l'information même, vous ne la classez pas, hein, je ne pense pas que vous ne la classiez, vous en prenez compte, et vous restez toutefois dans un mouvement positif pour continuer à progresser et à avancer. Toujours parce que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Voilà pour vous, amis Lion, pour ce mois d'avril. J'essaie de voir si je vois autre chose, un autre détail ou d'autres détails. Oui, alors pour certains, vous pouvez vous sentir triste pour quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui n'est pas bien ou à qui il arrive quelque chose de pas cool. Et du coup, vous êtes un peu inquiet, vous êtes un peu triste pour cette personne. Bon, je m'arrête là pour vous, amis Lyon.
N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant de voir comment chacun de vous vivait ces différentes descriptions parce qu'il y en a beaucoup et ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Donc, c'est toujours plaisant de lire votre ressenti. Et je vous invite à regarder donc l'ascendant qui peut, dans les détails de votre ascendant, vous pouvez trouver aussi certains conseils qui peuvent vous aider à dépasser cette ou à comprendre ou à mieux vivre ce qui est inscrit ici pour vous pour ce mois d'avril. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses en attendant et bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!